Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Je pars en aventure sur le nouvel Assassin's Creed Mirage. J'ai mis en mode difficile, donc il y aura très peu de coupes hein, sur ce montage. N'hésitez pas à mettre un petit follow, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon visionnage. Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies, et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient, frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Bassim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Doucement, Bassim. Respire. C'était le djinn encore? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux? On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Ne faisons pas attendre Derwish. Je ne supporte plus ses remarques. Ces contrats. Derwish t'en a déjà confié beaucoup, tu ne trouves pas ?
Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Celle de ces gens étranges? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'il le montre, alors. Tu prends tous les risques, Basim, et ils ne t'offrent presque rien en retour. Ils sont des libérateurs, Niham. Des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. À propos de ce contrat, je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yah Sadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Quelle foule! Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute son riche cortège qui attire tout ce monde. Peut-être que ces gens sont-ils d'humeur généreuse? Ah, je te vois venir. Un petit tour de main pour nous mettre en jambes. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup facile pour commencer. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Viens ici! Tiens-toi prêt. Je vais choisir mon style. Comme d'habitude, œil d'aigle et mains agiles. Un duo redoutable.
Là, celui qui s'agite. Il doit transporter des objets de valeur. Hey, tu veux bien revenir ici? Discret comme la brise. Et juste là, près de cet étal, elle a quelques pièces. Sois le bienvenu. Bravo! Vraiment le roi des voleurs d'Anbar. Serais-tu jalouse de moi? À peine, oh grand voleur des rues. Tu es insupportable. Viens, Derwish nous attend. Il y a de l'agitation. Bonjour. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Des fables, à coup sûr. Vaille. Voilà enfin notre paresseux. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir après tout. Attends. C'est pour manger, d'accord? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Zayda. Elle met toujours beaucoup de beurre. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? J'ai peut-être besoin d'une petite aventure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un registre d'expédition au port. En soi, il ne vaut rien, mais les informations qu'il renferme leur sont très précieuses. Un jeu d'enfant, tout ça. Ils n'ont rien de plus difficile. Je suis capable de bien mieux. Muselle un peu ton orgueil. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Ton inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. En effet. Pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Grande surprise. Ce n'est qu'un messager, après tout. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. Je les ai vus, avec tous les soldats qui défilaient dans le palais d'hiver. Vous avez des lances et des épées? Bien sûr que oui. Des soldats, quoi. J'aimerais bien voler une épée. Ou un casque.
Débrouille-toi tout seul, Basim. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total ? 16 caisses, un coffre, une demi-douzaine de sacoches. Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre, on garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est ? Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Verrouillé. Un léger retard. Ce que je m'en ai. C'était quoi ça? Ah, rien par ici.
Là. C'est sûrement ce que je recherche. Je me demande quel secret renferme ce registre. J'arriverai peut-être à tirer de ce vieux grognon de Derwish quelques informations sur ce contrat.
Toujours entier, à ce que je vois. C'était beaucoup trop facile. Oh, ce doux. Avoir des yeux en ville nous serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux? Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez? J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Derwish peut le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Derwish. Écoute, Basim, si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Pourquoi t'entêtes-tu à te comporter ainsi? Comme quoi? Comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter? Pourquoi vouloir suivre cette voie? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Mais ça, ils n'arrivent pas encore à le voir. C'est raté, Jassib. C'est quoi, ça? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné? On a pêché sur le port toute la matinée, mais on n'a rien attrapé. Le port? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre, par hasard? Oui, un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Shukran lakaya, Jassim. Que comptes-tu faire? Ils veulent ce coffre? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer. Et je crois avoir une petite idée. Enfin, si tu acceptes de me laisser diriger pour une fois. Ne te sens pas obligé, Nihal. Je sais ce que tu penses de tout cela. Que c'est de la pure folie, oui. Mais je n'arriverai pas à t'en empêcher. Donc, je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais. Au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas? Je te suis. C'est une mauvaise idée, Basim. D'ailleurs, si tu réussissais et s'ils t'accueillaient parmi eux, qu'arriverait-il? Tu nous oublierais? Bien sûr que non. Nihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Tes intérêts, mes intérêts, ceux des laissés pour compte qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. On pourrait la quitter, cette vie, grâce à moi. Je pourrais être celui qui permettra à Jassib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement, comme mon père l'a été. Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. J'entends tes paroles, Basim. Mais tu te fais le portrait d'un monde qui ne peut exister. C'est là où nos avis diffèrent.
Nous y sommes. C'est le palais d'hiver. Viens, par ici. À toi l'honneur. Allez, viens. Attendons la nuit. Cela n'éveille-t-il pas en toi d'agréables souvenirs ? Agréable, oui. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici, sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grande porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends ! Il fait assez sombre. Viens. Nihal ! Tu t'es décidé à suivre mes traces, Basile ? C'est une bonne idée. Je sais que tu as horreur d'être seul. Où est-elle passée ?
Nous permettre d'entrer. Mais pas sans disposer d'une clé. Cherche dans les alentours. Ne t'inquiète pas, je suis toujours prêt et je saurai te protéger. Alors, tu as trouvé une clé ? Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non? Autant le laisser se promener. Et répondre à ses besoins. Cette réunion devrait être brève. Et voilà, viens. Par ici, le calife vous attend. Ils sont arrivés, Maolé. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seul. Père, laisse-moi rester. Emmenez-le. Il a l'air lourd. On ne réussira jamais à le sortir du palais. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient.
Messieurs, bienvenue. Tout est en ordre. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, Calife, prépare-toi. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Est-ce bien compris? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Voilà notre chance. Quelqu'un approche! Par ici. Tout est calme. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. On pourrait en gratter un morceau et le vendre sans plus en d'or. Tu as pensé à apporter une pioche, j'espère. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Allez, Basim. On ouvre, on vole, on file. Basim, vite! Basim! Donne-moi ça! Non! Non! As-tu la moindre idée de ce qu'ils vont me faire? Pitié, je suis désolé! C'est ta faute! Non! Pitié! Tu n'es qu'un sale petit voleur! Thank you.
Nihal ? Calme-toi, Basim. Nihal ? Non, pas vraiment. Te sens-tu bien ? Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Cet objet, il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ça a été un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais, à l'ouest. Quoi ? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Basim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Nihal, Derwish, ils sont tous en danger. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Les soldats traquent tout ce qui me ressemble. Si vous avez aimé, je le répète, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide beaucoup. Et de commenter si vous le désirez. Allez, à bientôt.